la vidéo que le monsieur l'a publiée. Où est la différence entre la vidéo que le monsieur fait sucer la bite à une petite fille de 5 ans et vous qui insultez un enfant comme moi, Lolo? J'ai pris un enfant, j'ai mis dans le cadibi pour faire l'amour avec les hommes dans la chambre. Où est la différence? Vous êtes des criminels. Vous êtes des criminels. Vous êtes des méchantes personnes. Parce que quoi? Où est la différence entre ce monsieur et vous? Vous traitez un enfant de 9 ans. Quand on la met dans un cadibi, on donne les chocolats parce qu'elle veut coucher avec un autre homme. Quelle est la différence entre ce monsieur et moi? Qui? Comme je suis quelqu'un qui prend un enfant de 9, ma belle-sœur, j'ai pensé à ça. Un enfant de 9 ans. Je prends ma fille, je mets dans un caddie, je l'enferme pour amener un homme dans la chambre. Je suis criminel en ce Ils moment-là. sont même là. Je suis Ils une sont criminelle. là quand Ma tu parles de belle-sœur, ça. attends, ma belle-sœur, je suis une criminelle. Donc je peux tuer un enfant si je fais ça. De prendre un enfant et le mettre dans un truc enfermé et donner le chocolat. Ma fille ne connaîtra jamais ça jusqu'à ma mort. Jamais ça. Parce que j'ai le cœur d'une mère, je suis humaine. Je ne connais pas le mal, moi. Je ne connais pas, je suis bavarde, certes, je sais que je suis bavarde, c'est ma nature. Mais le mal, je ne connais pas le mal. Méfiez-vous de ce qui sort de vos bouches. Vous êtes parents. Vos enfants seront parents. Évitez de utiliser ce langage. Parce que moi, j'ai mentionné ça dans ma plainte. Vous allez me dire quel jour et quand j'ai mis mon enfant dans le cadibi pour coucher avec un autre homme. Moi, vous allez me dire ça, parce que le monde entier qui a écouté vos diffamations, et puis il faut que justice soit faite. Vous allez me dire où et quand j'ai pris un mineur, ma fille parle. Elle sait s'exprimer. Ce n'est pas un enfant qui ne parle pas. Elle vient au tribunal. D'ici moi, sa mère, je l'ai enfermée juste dans une chambre. On n'a pas ma baisse, comment on appelle les portes là? Les quoi? Les portes là. Coulissantes, les Oh, portes c'est un nom. coulissantes. Nous avons les portes coulissantes. Je n'ai même pas les portes à clé. Ma fille est à 2 pas de moi. Il suffit un seul pas, elle est dans ma chambre. Comment je peux prendre mon enfant? Ma fille n'aime même pas les chocolats. Elle n'aime pas les sucreries. Elle n'aime pas même les yaourts, elle n'aime pas Est-ce tout qu'ils sont ça. là quand tu le fais? Comment Comment je peux prendre. Mais ils où parlent de ce que pourquoi eux-mêmes vous. ils font? Écoute, ma belle-sœur. Vous condamnez un monsieur qui prend la bite d'un enfant, il prend sa bite, il met dans la bouche d'un enfant. Et quelle est la différence entre vous qui venez rester là, te dire qu'un enfant s'est fait violer par son père? Une chose que vous n'avez pas vue. Mais pourquoi vous ne dénoncez pas ce monsieur qui est papa Fodja à la police? Comme on a dénoncé ce monsieur-là. Allez dénoncer parce que vous êtes complice. Vous êtes complice de ces actes-là. Vous êtes complice de ces actes. Pourquoi vous n'allez pas dénoncer papa Fodja à la police? Qui sodomise sa fille, qui viole sa fille, des accusations mensongères. Et les gens vous applaudissent, les gens vous encouragent. Tout ça pour une histoire de Facebook. Niki est déjà bloqué, Où est la non? différence? Vous détruisez la vie des enfants d'une petite fille. Elle s'appelle Louise Gloria. Elle n'a pas demandé à sa mère de venir crier dans Facebook. Elle n'a pas demandé à sa mère de venir discuter avec Elle ne vous. connaît même pas ce Pourquoi? que c'est. Est-ce qu'il a prononcé le nom de vos enfants un jour sur la toile? Je ne fais même pas allusion, parce que ce n'est pas ma nature. Pourquoi cet enfant est victime? On sent qu'en vous, il y a la haine. En vous, il y a la jalousie. En vous, vous avez l'esprit de détruire. Mais vous n'allez pas me détruire, parce que vous êtes petites comme ça, comme des aiguilles. Vous êtes petites comme des aiguilles. Vous allez me dire où cet enfant n'est pas le mien. Vous allez me dire où? Si vous êtes un membre de ma famille, si on se connaît, si on s'est même déjà fréquenté un jour, vous allez me dire ça le jour du tribunal. Vous allez payer le test d'ADN. Ça veut dire que vous aimez raconter la vie des gens, mais vous ne connaissez pas les gens. Où est la différence? Vous qui venez dénoncer un homme qui a de la parole, vous êtes en train de salir la vie d'un enfant sur la toile. Et les gens vous applaudissent. Ces bandes d'hypocrites, de merde, des Camerounais. Vous vivez que dans le mal, dans le sang et dans la haine. Vous n'avez pas honte de qualifier d'une petite fille de 9 ans qu'elle est mise dans le caddie? Vous connaissez les moqueries qu'elle peut avoir à l'école devant ses camarades? La honte que vous pouvez infliger à cet enfant quand elle ira au lycée? Quand ils vont écouter ces vidéos, vous êtes le mal. Vous n'êtes pas différent de ce monsieur qui a pris la bite, il a mis dans la bouche de cet enfant-là. Vous n'êtes pas différente. Vous êtes toutes pareilles.
Quitte ta mère. Tu dis, Niki est déjà bloqué, non? Tu dis, Niki est déjà bloqué. Vous avez compris? Je vais revenir sur la toile pour vous. Vous aimez parler, non? Je connais aussi parler comme vous, là. Je connais parler. Je n'ai pas raté ma vie, hein. Si ma mère dormait dans la carabote, ou c'est la carabote, je devais lui construire une maison. Chance à moi que son mari lui a fait ce que toutes les femmes désirent. Elle dormait dans les maisons à l'étage. Je n'ai pas connu la souffrance. Chacun ses ambitions dans la vie. Même à 63, même à 63 ans, je m'accorde devenu première dame de France. Sans qu'on vienne espoir. Vous avez détruit, vous avez sali la vie de ma fille sur la toile. Elle prend les chocolats. Ma fille n'a jamais pris les chocolats. Elle n'aime même pas les chocolats. Montrez vos enfants. Arrêtez d'élever vos enfants dans les imo et les WhatsApp. Ma fille, elle n'élevait pas son père et sa mère. Et nous l'adorons. J'ai mis ces photos. J'ai vu les photos de Noël et l'enfant de qui parmi vous là. On n'a pas vu les photos de Noël. Mettez, on voit. On voit l'entretien d'un enfant. À partir de sa peau et sa façon de parler. Ma fille est douce. Elle est belle. Elle est bien élevée. Je ne ferai jamais la pute devant mon enfant un jour. Parce que je ne suis pas une prostituée. Leur voyage s'est déroulé sans enfant. Oui, je ne le suis pas. Vous allez tout dire, je ne le suis pas. Et ma fille, c'est ma priorité. Qu'elle soit la mienne ou qu'elle ne soit pas le mien, c'est mon enfant à moi. Oui. Mettez vos photos de grossesse, on voit. Vous, quelle mère. Mettez vos photos de grossesse, on voit. Avec le ventre, comme ça, on voit. Mettez vos photos, vous avez vos enfants de 1 an, 2 ans, en train de grandir. Moi, j'ai mis les photos de Luis Goula. Vous voulez qu'elle mette ses photos avec les couches en France? Je mets. Je dois mettre. Vous me voulez quoi? Vous salissez un enfant. Voilà le vrai pédophile. Vous avez parlé de lui. On a montré le pédophile qui est en train de mettre la bite dans la bouche d'un enfant. Vous avez parlé de ces messieurs. Vous n'avez pas parlé de lui. Parce que vous êtes mal placé pour le faire. Vous êtes très mal placé pour le faire. Lâchez-moi les baskets. Je suis venu dans le fait mon émission à cœur ouvert. J'ai clashé à mon tuyau. Parce qu'il a. Il s'est mêlé, je l'ai envoyé un petit pic dans la blague. Il m'a traité de rat. Et pendant une semaine, ils ont déchiré ma vie sur la toile. J'écoutais, je pleurais. J'ai répondu une fois. Et je ne regrette pas de l'avoir fait. Et depuis, je ne l'ai plus jamais prononcé. Il a pris ça où j'ai pris ma voix. Clavis-toi, c'est fait. J'ai encore insisté qui sur la toile. Je manque ta maman. Je manque ta mère, bon imbécile, va. Hein? J'ai encore insulté qui? Plus personne. Hein? Vous prenez la vie de l'enfant de 9 ans parce que vous êtes jalouse. Parce qu'elle s'appelle Luis Gloria. Parce qu'elle est la fille de Lolo. Parce qu'elle est belle. Elle est bien entretenue. Je ne la cache pas. Je la cache parce que je prenais sa vie. Elle est bien entretenue. Montrez vos enfants, on voit. Montrez les photos de Noël, on voit. On ne voit jamais. Montrez même vos petites filles, on voit. Vous ne pouvez pas montrer. Moi, je montre la mienne. Vous me traitez de vieille femme. J'ai 41 ans bien compté. Ce n'est pas l'âge de Kumba. Je n'ai pas laissé mon âge à Simalène. Je suis venu avec sur le dos. C'est mon âge qu'on m'a couché avec. Moi, je suis capable d'enlever la perruque. Enlever pour vous, on voit. Enlever mon perruque, on voit. Avant de venir parler de Lolo. À cause des histoires de Facebook. À cause des histoires de Facebook, vous allez commander qui? Vous allez quand? Je suis avant vous, non? Vous allez quand? Vous voulez dominer le monde. Même quand la fête tape la main sur la poitrine, ça conduit à une question, un bout d'un bébé, c'est fini. Il a fini avec lui. Vous avez compris? Vous marchez, vous vous entourez, vous vous encourez dans le mal. Les meilleurs amis, c'est ceux qui te reposent quand tu fais une erreur. Quand j'ai fait une erreur, Laurent me dit que ma BSC a mal fait. Ma mère me dit que tu as mal fait, tout le monde me reproche. Et tu ne refais plus. Et moi, je ne refais plus. Les meilleurs amis. On ne t'applaudit pas tout le temps. Avec les meilleurs enfants, on croit cette bêtise-là. Parce qu'ils ont peur. Parce qu'ils n'ont pas vu qu'on doit parler le nom dans Facebook. C'est moi qui vais parler maintenant vos noms dans Facebook. Je vous guette à la loupe. Parce que j'ai vos A1. J'ai vos dossiers. Parce que on a dit que moi, j'ai vos dossiers. J'irai même sur le terrain. Je vais devenir gardien de nuit des camions. À Vincennes, il n'y a pas que le lieu saint. Il y a Vincennes, il y a le bois de Boulogne. Oui, c'est fait. C'est la bague de gardienne de nuit. Veilleuse de nuit pour vous.
Arrêtez de mêler les enfants dans vos bêtises. Elles sont allées, ma belle, je vais te montrer une photo. J'ai vu une petite qui pleurait, que tu as appelé mes enfants bâtards, imbéciles, chiennes. Quand tu as utilisé ma fille, c'est l'enfant aussi. Et tu vis même au Cameroun. Quand une fille qui vit dans la galère du Cameroun, la poussière du pays, elle fait les vidéos sur moi. Montre-toi, on te voit. Montre-toi. Sache que la milliardaire t'a bien lavé, correctement et bien. T'as bien nettoyé. Tu es dans les galères au co. D'autres sont là-bas dans le désert, c'est même pas si elles vont traverser la route. Le désert, c'est le mal. Vous allez voir. La foudre de l'Éternel va se baisser sur vous, au nom de Jésus. Regardez-moi la photo aussi. Regarde ce qu'ils ont écrit là. Regarde ça, Lorraine. Regarde. Oui, j'avais vu ça. Moi, pourquoi j'avais vu. Je suis trop. Et les gens ne savent pas que ce que ça fait. C'est un mal que tu veux mettre la main dans le cœur. Tu n'enlèves pas. J'ai vécu ça il y a un an. Quand quelqu'un peut dire que c'est toi qui as insulté ton enfant, toi, tu as fait ça. Aucune mère ne peut faire ça. Mais les femmes qui... Papa, faut jamais soulever tous les jours. Regarde-moi ça, Lorraine. Lorraine, ma belle-sœur, tu m'as fait bien sortir. Regarde. Papa, faut jamais soulever tous les jours. Pourquoi vous avez touché à mon enfant? Toi, la Flora, là, toi, tu étais au Cameroun, ton bâtard, là, va naître avec ta... Faut pas mourir dans ton ventre. C'est moi qui t'ai dit ça. Titus, tu as fait les vidéos, tu insultes l'enfant que tu ne connais pas, alors que tu es enceinte. Regarde-moi, c'est un chien qui vit dans la misère au pays, imbécile. Tu te fais baiser, quand tu te fais défoncer la nuit par les maguides, tu prends l'enfant de Lolo, sors de ta vidéo. Je vais payer le billet d'avion pour toi. Tu me montres ton visage, je te jure, c'est ma femme, maman. Je vais payer le billet d'avion pour toi, pour aller au Cameroun. Je vais te détruire au Cameroun, moi, Lolo. Je vais te montrer avec les vidéos que vous vous cachez là. Les autres sont aux États-Unis, mais toi, tu es au pays. Comme moi, c'est moi ton visage. Je vais payer le billet pour toi. Je vais te montrer que le Cameroun là. Je vais t'arracher ton cul, je vais mettre dans ma bouche. Moi, Lolo aussi. Regarde-moi une sale merde comme ça. Et tu es même enceinte. Une femme enceinte qui passe à dire insulter l'enfant des autres. Tu n'as pas honte. Tu n'as pas pensé à ton enfant. Tu n'as pas pensé à l'enfant qui vit en toi. Tu insultes les enfants des autres. Espèce de salope chienne. Tu peux parler à Blonde Alice. Tu es jaloux de Blonde Alice. Mais Blonde Alice a le pouvoir sur Facebook. C'est un faux profil qui est sollicité. Il y a beaucoup de faux profils qui sont sollicités ici, là, sur la toile. Comme les Wakatoro, tous les faux profils, les Pierre Clébi, tous les teams, là, je connais tous les faux profils. Toi, tu es arrivé hier. Tu n'as même pas encore enlevé la poussière d'un coulou sur toi. Tu veux parler aux gens sur Facebook. Mais tu te gâches sur le noir. Tu es qui, toi? Tu parles de l'autre côté, Lolo, là. Tu me connais où? Sale salope, donne-moi une chinois qui sent encore le dos de la pipi. Tu veux me parler? Bas-soubito. Donc, il y a un faux profil. Je veux ton visage. Je vous en supplie. Donnez-moi la photo de la fille là. Ma chérie, je mets mes pieds à genoux. Je veux te faire que tu vas regretter. Moi, je veux t'enfermer quand on t'envoie en prison. Moi, Lolo, je vais t'envoyer en prison. On va t'appeler. Je vais appeler ton patron de Facebook. Il va t'enlever ici là. Comme donne seulement ton visage. Tu vas regretter le jour que tu as insulté ma fille. Parce que tu n'as rien demandé. Insulte-moi comme tu veux. Ah, je m'en fous des injures. Qu'est-ce que j'en fous des injures? Mais n'insulte pas l'enfant. N'insulte pas l'enfant. Aujourd'hui, on insulte ton enfant de bâtard, tu pleures. Mais dis donc. Mais c'est un enfant. Tu pleures qu'on insulte ton enfant de bâtard. Parce que tu passes tes journées à insulter les enfants des autres. C'est normal, tu peux les dire dans le noir, les gens te regardent. C'est pas le Cameroun qui est le Congo. Sauf si les dire te regardent parce que tu insultes l'enfant de Lolo. Ma fille, c'est une déesse. Ma fille, c'est une jump up. Nicole Yolande dit qu'elle a son vrai nom. Donne-moi le nom de la fille là. Nicole Yolande dit que j'ai son vrai profil. Donne-moi le nom de la fille là. Parce que mon combat avec vous, hein, ça ne va pas finir. Je ne fais plus de clash. Demande-nous à peine de te filmer. Je vais vous montrer que je suis né à Kribi sur les Batanga. Que je suis fille qui a fait le tour du monde. Que je suis Mwako Tanaïdjo. Je vais vous montrer que ma part ne finit pas. Vous n'avez pas me voir venir. Je vais vous montrer qu'on a pu. Je suis le soumon homicide. Ce n'est pas le bavard qu'on fait sur Facebook là. Hein. Ça sera fait. Nicole, Lolo dit que tu lui donnes alors le vrai profil. Même si tu veux. Vous n'avez même pas honte. On lui venait de lancer que le type n'a fait comme ça à l'enfant. Où est la différence entre vous? Vous avez pensé à l'avenir de Louise Gloria et vous a fait quoi?
Elle vous a fait quoi? Claire, dis-toi. Tu vas fumer la vieille maison de mon père à Criby. Mais où la maison de ton père? Où ton père, c'est où? Il y a les gens même qui n'ont pas laissé le carabot à leurs enfants. Même tu insultes ma mère qui est morte dans la tombe. Tu vous insultez une maman. Que Lolo peut vendre sa mère pour la Starmania. Je pouvais vendre ma vie pour que ma mère reste vivante. Parce que je ne connaissais pas l'amour qui avait entre ma mère et ses enfants. Ma mère morte à 53 ans. Vous avez insulté sa tombe. Giro, quand on va vous montrer où ma mère, si elle se repose, je vais vous montrer. Je vais vous montrer, ma mère était une femme d'église. Ma mère était une croyante pratiquante. Elle ne connaissait pas le mal. Vous salissez l'image, vous salissez un enfant de 9 ans. Mais pensez à son avenir. Vous oubliez qu'elle va à l'école. Vous oubliez que demain elle va grandir. Ses camarades, quand on voit les vidéos sur Facebook, comment on dit, des gens disent que sa mère a maintenant le Kadibi pour aller faire l'amour avec d'autres hommes. Vous pensez qu'elle sera comment? Le traumatisme qu'elle peut avoir, alors que c'est faux. C'est du mensonge total. Vous lisez les lettres dans les enveloppes. Si chez moi elle dort, vous connaissez ce qu'elle fait dans ma maison. Si chez moi elle dort, vous connaissez ce qu'elle fait dans ma maison. Lolo fait les partous. Lolo fait ceci. Lolo fait cela. Quand vous me regardez, j'ai l'air d'une fille qui peut faire des choses comme ça. Dites-moi si je mens, c'est vrai. J'ai l'air d'une fille qui peut prendre un enfant, enfermer dans une chambre pour faire l'amour avec un autre homme. Vous vous rendez compte des énormités qui sont de vos bouches. Je ne vais jamais insulter vos enfants. Vraiment. Jamais. Le côté ne va pas traverser cette ligne rouge. Je ne le ferai jamais. Parce que vos enfants ne sont pas heureux comme la mienne. Si vos enfants manquent d'amour. Macron dit la vérité. Macron dit que cette bouffonne n'est pas inspirée comme Blonde Alice. Je confirme. Paul Macron. Mais parce qu'elle dit clairement que je parle avec Blonde Alice. Si Blonde Alice et moi, on a eu des affinités, c'est parce qu'on était en colère. On avait fait une paix. Et général, tout le monde était en paix avec tout le monde. Ce n'est pas pour laquelle, c'est pas pour cette raison que vous avez quoi que Blonde venait me raconter vos vies. Je suis désolé. Hein? On ne parlait pas de ça. Elle t'a bien lavé. Tu es yeah. Moi, je connais les bons profils de la team de compétition. Je connais les faux profils, je connais les true fly, je connais les yung gagagon. Toi, je ne te connais pas. Va accoucher. Occupe-toi de ta grossesse. Ton enfant dort à quelle heure dans le ventre? Tu es là que dans le Congo, ça. Le Congo, ça, le Mkante. Tu t'occupes des filles de Facebook. Tu n'as rien à faire. Papa, il faut y avoir un vieux mariage. Tu dis que je n'ai pas accouché. Toi qui accouches alors là, tu fais quoi de ton enfant qui dort dans ton ventre, tu es couché pour dire que on a dit que Félicien a fait que occupons-nous de. Vous allez me faire quoi? En dehors de taper vos bouches dans le noir, vous allez me faire quoi? Notre cible, c'est Lolo Pipi. Pipi, ta main pond les yeux rouges. Tu me fais quoi? Je vais au cas où donner à nouveau l'aéroport. Viens m'arrêter, je vois. Vous tapez vos bouches, c'est pas que vos bouches qui moussent comme les morves des cadavres là. Je vais m'arrêter à l'aéroport, je vois. Je vais attaquer les cibles. Vous avez monté l'écartement, je suis devant vous. Je suis Facebook. Elle a même déjà fui Facebook. Moi, je suis le saumon obisique. Moi, ne me menace pas avec les paroles. On peut se ajouter les paroles parce qu'elle est fatiguée, parce qu'elle est elle est en train de faire, elle a des choses à faire. Mais moi, je suis calé là. Je vais la remplacer. Quand vous voyez qu'elle voulait sa paix, prends alors sa place. C'est ma soeur. Ça vous fait mal pourquoi? Hein? Ça vous fait mal pourquoi? Elle est partie, il y aura quelqu'un qui sera là encore pour vous nuire. Elle est là à côté. Je serai là maintenant pour vous nuire. Je reste là. Elle a dit hier que qui ne prend sa place? La chancelière, moi, va prendre ta place. Je suis là assise. Vais me mettre la couronne. J'ai bloqué, j'ai bloqué. Tu prends la place. Je suis là, je vais, on va mettre la couronne. Je vais rester là. Hein? Je vais demander à la chancellerie, viens me mettre la couronne de la chancellerie. Je vais prendre ta place. Ça peut être une grande. Ce que tu viens de dire, ça peut être une grande manifestation. Le jour où on te couronne, mais de la compression met la couronne à Lolo. Attends, de feu, Lolo. Tu imagines la compression te mettre la couronne. Mais viens me mettre la couronne de la chancellerie. Ça veut dire que balaye-moi seulement le sol avant que tu rentres. Ça veut dire que toute la team de compresseurs
Plus les lolos. Je vais balayer seulement le sol avant qu'elle rentre. Plus les top lèvres. Pendant qu'elle a en congé, je suis là, balayer que je suis là. Gardien de nuit. Non, on dirait que beaucoup comme on dit très bien. Mais deux. C'est bien, je qui ça. Une seule fille qui n'a le fait. Mais qu'est-ce qui a ramassé la grosse? Elle espère me cotiser. Elle est de plus en plus. Elle est chère. Pas la bonne Alice. Imbécile. Elle te dépasse. Je la connais depuis 5 ans sur la toile. Tu es une arrivée. Tu n'es même pas. Tu es une bleue. Tu es encore une bleue. Ils te font du travail. Pour défendre comme ils ont défendu leur bourreau là. Parce qu'ils ont travaillé. Elle et moi, c'était la guerre tous les soirs pendant des années. La guerre. Tu arrives hier, tu es venu t'exposer. Pour dire qu'on a exposé, tel on a exposé. Tu es qui? Quand tu as un faux profil, il faut assumer les conséquences. Quand on peut te faire, on peut t'exposer. On leur expose, ça te fait mal ou? Elles ont mal. Moi, je vais mettre les photos sur mon mur. Je vais mettre toutes les photos sur mon mur parce que je ne veux pas faire ça parce qu'ils vont respecter les faux profils qui me détiennent. C'est fâché de moi. Dans le lot, mais il y a les faux profils. Je vais leur demander leur avis. Si elles sont d'accord, je mets les photos sur mon mur. Je vais mettre pour la mamie Nanou. Je vais mettre pour elle. Parce que mamie Nanou, c'est une fille barantée. C'est une soeur du village, mais insultée pour rien. Je vais mettre sa photo. Mamie Nanou, je vais mettre. Lolo. Le général est arrivé. Le général est là. Maïlou. Elle est arrivée par Sevan. Elle est arrivée par Sevan Zeu et Bela. Hey, un bagarre, la Marine dit un bagarre, maman. Comment on dit que tu aimes les gâteaux? Elle va t'acheter le gâteau qui dépasse la maison aussi. Ah, copine. Marine dit un bagarre, général de Gaulle. Oiseau de nuit, là. Général de Gaulle est arrivé. Mais t'es un oiseau de nuit. Qui est arrivé hier, tu fais, mais sa soeur se couche dans le noir. Montre ton visage. Quand on soutient quelqu'un en vidéo, quand on fait comme Lorraine Fellet me soutient, elle fait ses vidéos, on voit son visage. Montre ton visage, on te voit. Tu te caches pourquoi? Ben tu es laide. Parce que tu n'as pas de temps. Tu es comme le chromaporte. Parce que tu n'as pas de temps. Tu n'as pas. Viens te placer, on te voit. Tu veux combattre, tu veux venir mentir. C'est que Blanc, il n'a pas fait que c'est elle qui a fait ça. Elle a fait ça quand? Tu connais pas Blanc, il m'a insulté. Elle est posée fatiguée de m'insulter. Elle m'a fait que je lâche, je laisse parce que je suis fatiguée d'insulter. Elle m'a insulté pendant des années. Il y avait des moments où je ne dormais pas la nuit. Avec mon général Maïlouis Baga. Oh, je ne dormais pas la nuit. Quand on se cause. Vous ne reconnaissez même pas le bien que quelqu'un a pu faire dans votre team là. Vous ne reconnaissez jamais ça. Pour un plus petit terrain, pas vous vous enflammez. Vous racontez n'importe quoi. Maïlouis Baga, passez les nuits avec moi aussi là, qui est dans le coche. La bonne là, pareil. Il y a eu Gagari, pareil. Tu as arrivé hier, il y a une bleue du lycée. Qui s'est pas encore lavé. C'est fait, tu connais le couvert, tu l'as fait. Elle n'a pas eu le BPC. Elle a traversé par l'entrée en 6e. Les enfants de Magui, là, les enfants de Magui, au Cameroun, qui t'ont baisé, je sais pas pourquoi ils te donnent les réseaux de téléphone, tu viens me parler, tu peux me parler. Je vais enlever ma perruque, moi, je vais enlever ma perruque, la fille, elle me voit un peu sans foutre, j'enlève ma perruque. Gaël compresseur. C'est les maquis ça. Elle fait ses directs sur mon nom tous les jours. Est-ce qu'elle parle de ma fille Luce Doigt? Luce Doigt est plus belle que la fille de Beyoncé. Luce Doigt est plus belle que la fille de Kim Kardashian. Elle te met le pari, on met les deux photos. Tu as des lèvres pulpeuses naturelles. Ce n'est pas pour moi. Viens prendre. Viens prendre pas avec. Je dis, est-ce que ce n'est pas de toi? Saleté. Parlons du sujet du pédophile là. La différence de vous et le pédophile. Vous détruisez la vie d'un enfant. Vous faites la honte à une petite fille de 9 ans. Elle va à l'école. Ses parents sont me regardent dans Facebook. Les parents de ses camarades me regardent dans Facebook. Vous
rendez compte du regard que ses parents, les parents de ses camarades peuvent leur regarder quand ils rentrent à l'école. Que voilà la petite fille qu'on met dans le cladi, on fait l'amour. Hein? Si vous avez pensé au regard des parents des autres enfants, vous n'avez pas pensé à Luis Gloria et Célestin? Vous n'avez pas pensé à Luis Gloria et Célestin? Pourquoi vous êtes mauvaise comme ça? Vous n'avez pas pensé à Luis Gloria et Célestin que non, on ne va pas faire ça. C'est pas par rapport à le... On va pas faire du mal à la... C'est pas par rapport à Lolo. Protégeons quand même cet enfant-là. Vous l'avez exposé dans le mensonge. Vous venez dire que le monsieur est criminel. Vous êtes plus criminel que ces messieurs. Nous allons toujours faire les vidéos. Nous allons toujours faire à cœur ouvert. Vous n'allez pas nous empêcher de faire ce que nous allons commencer. Parce que ce n'est pas vous qui avez créé Facebook. Nous allons maintenant les balles. Je vais collaborer avec la team de compétition. Vous signalez le direct, on signale pour vous. Ça sera comme ça. Nous allons signaler. Vous signalez pour nous, on signale pour vous. Vous allez vous asseoir. Maintenant, on va faire sa belle attente jusqu'à la gare. Vous n'êtes pas les King Kong. Vous êtes les États-Unis, non? Nous sommes King Kong. Nous avons nos missiles. Nous, on a la bonne. Comment on appelle ça? Le tube nucléaire. Nous avons ça au courant du Sud. Lolo, bois de l'eau, s'il te plaît. Lorette, dit que Lolo, bois de l'eau, s'il te plaît. Et Macron. Je m'en vais. Paul Macron, lui, je m'en vais, je passe, vous m'avez pleuré, mais là, je vais parler, vous vous dites que je bois de l'eau, je ne bois plus, je m'en vais, au revoir. Merde, je suis le Corée du Sud, Ping Yong Kim, j'ai mon truc nucléaire, vous faites, j'explose Facebook, d'abord je mets d'abord les voix, je mets les voix. Le direct d'aujourd'hui, bon changement de situation. Léonie dit que le direct d'aujourd'hui, c'est changement de situation. Soleil démarre le ta salle chatte pourrie avec les asticots dedans. J'ai exposé ma fille. J'ai exposé ma fille. J'étais bon, si j'aimais les photos de ma fille sur Facebook, j'étais demandé d'aller écrire des choses sur ça. Hein? Mais depuis quelques années, j'étais demandé d'aller écrire des choses sur ma fille. Bande de jalouses. Tu as vu Mamie Nanou avec son demi-nez. Le demi-nez, je pense qu'on l'a coupé. Je vais le dire à la cas où Marie est mieux que sa part. Son demi-nez pour les pipes de chocolat. Elle doit être calée. Elle était laide comme ça. Hein? Laide comme un pou. Même la souris ne guère plus mieux qu'elle. Vous voulez parler. Vous pouvez me parler vous-même. Sortez de vos fonds profits. Venez vous placer devant moi. On se place debout. Moi voici debout. Même quand je suis ma bongo, je vais faire comment? Est-ce que je vais faire comment? C'est Dieu qui a créé le monde. Dieu m'a créé ma bongo. Ma gueule et ma bongo, tu as les gâtements. Je vais être comme toi, avec Marie-Louise Magaille et Marie-Laro. J'ai cassé mes pieds. Moi voici debout. Regardez-moi, moi aussi, mes pieds sont hackés. Voilà mes pieds. Hein? Moi voici. Mettez-vous debout, on voit. Et vous mettez là, comme ça. C'est quoi? Je vais mettre les voix. C'est bon. Demandez-vous, vous avez fait quoi, non? Ma bête, bloque-nous les faux profits des gens là. Je ne peux pas bloquer ma stade. Bloquer les gens là. Partez, on ne vous veut plus. Partez, on vous chasse. La femme de bon mal vous a chassé l'autre jour. Elle ne veut plus que vous partez. Composant vous a chassé. Moi, je vous chasse. Lorraine vous chasse. Tout le monde vous chasse. Partez, non? Tu veux bien rester là? Mais de maman, c'est forcément. On vous savez, vous connaissez moi, Chingon. C'est forcé. On ne vous veut plus. Nous, on est cadres. Nous sommes les écarteuses. Nous sommes les pipitologues. Nous sommes tous les noms du monde. Partez. Non, on ne vous veut pas. C'est la force. L'amour est forcé. Les directs sont forcés avec vous. On ne vous veut pas. Nous, on a nos gens. Nous sommes en collaboration avec la team Compressor, avec la team Marie Larose. Nous sommes on a les gens qui vont venir nous regarder. Restez chez vous. Avec vos vues. Laissez-nous ici. Nawati. Pourquoi vous souffrez comme ça? Hé! Hey! Maman. Soleil de. Vous publiez le téléphone. J'ai dit que je vais appeler ma baisse. Oui. Je vais envoyer un coup à Grâce Deka. Je vais envoyer un courrier à la femme là. Je vais envoyer un courrier à tout le Canada. À toutes les femmes canadiennes du Canada. Parce que Marie Larose, elle est au Canada. Donc, Marie Larose, elle va être à Paris. En Belgique, le 3, le 2,
deux masses là, mais il y a eu un malentendu. Donc Maïlaro sera à Bruxelles, en au Canada. Je vais envoyer un message à toutes les femmes du Canada et à tous les hommes du Canada. Je vais faire un direct spécial pour ces personnes-là. Parce que ma nudité qui était publiée sur la toile, que ces personnes se disent que demain ou après, ça sera pareil pour leurs enfants. Tutu, c'est alors, dans quel là, c'est... Hein? Non, je dis à Tutu, c'est dit qu'on va... ils vont bien danser notre musique, je confirme. Je vais envoyer un message à toutes les femmes du Canada parce que moi je crie et je vais crier ce jour-là. Celui qui n'est pas content de me crier n'a qu'à dégager. Marie Larose dit oui. Marie Larose dit oui. Je vais envoyer un message à la lovely Joyce Tremblay, la chef du gouvernement, celle qui a créé le gouvernement dans la toile. Lovely Joyce Tremblay, elle, la présidente du gouvernement de tout le monde entier, parce qu'elle qui a créé le concept gouvernement sur Facebook. Je vais envoyer un message à lovely Joyce Tremblay. Tu vas envoyer un message à Mazan Antonganen, cette femme qu'on est en train de détruire sa vie sur le net. Les gens font des alliances pour détruire une mère de famille, quel qu'en soit le problème qu'elle a eu avec son ex-mari. Les gens font des alliances pour laisser trois enfants orphelins de leur mère. Ils veulent tuer Mazan Antonganen pour que ses enfants se retrouvent orphelins. Quand on dit tu pleures, le même, c'est le même combat que Mazan Antonganen en train de vivre au Canada. Ah oui, ces personnes sont ralliées. Je ne sais pas. Ces personnes sont réunies pour détruire cette femme-là. Je ne suis pas au courant. Je vais envoyer le message à Mala Tonganais. Je vais envoyer le message à tout le gouvernement canadien pour dire que faites attention. La réalité, le futur est passé, la réalité, c'est Nolo Fodja. Elles sont allées prendre mes photos dans la maison de mon ex-gar pour venir m'exposer sur la toile. On a monté le clitoris, la femme qui est cachée, la chaîne qu'on a cachée entre nos jambes, s'il est venu exposer, ils ont mis ça en exposition, l'exposition mondiale sur la toile. Titus, Ma corps avec quoi, ma langue. Demain, il y a la Tonganaise a le même problème. Mme la Tonganaise, son mari, son ex-mari, c'est un imbécile, c'est un négumène qui passe tous les journaux à m'insulter sur ça. Un intellectuel de cabinet. Il passe tout ça et écrit des choses sur moi en longueur de journée. Mais tu t'assieds avec la reine des prostituées. Tu insultes les prostituées tous les jours, tu t'assures la reine des prostituées. Tu es l'esclave des prostituées. Ton école que tu es perdu, tu es parti à l'école pour venir travailler pour les putes. Tu vas travailler pour nous à la gare. Tu appelles mon nom, pourquoi? Je te connais où? Tu étais avec moi dans la tournée, ça n'a pas marché. Mais restez comme les deux grandes personnes. Vous faites votre chacun vit sa vie. Tous les jours, moi dans la tournée, vous faites le direct sur moi dans la tournée. Elle vous a obsédé. Vous vivez, elle vous a dans la peau. Faites vos vies. Oubliez-la. Moi, la Tonganaise, d'abord, très belle par rapport au rat avec qui tu vis là. Pour moi, c'est un rat. C'est pas une femme, ça. C'est un rat. Tu vois comment elle s'habille? Comme des clochards. Avec les habits. Quelqu'un s'habille, s'encombre les fourreaux, c'est les chats partout. C'est comme si c'était une mboro qui partait, je sais pas, dans tous les pays. Elle a mis les pains sués partout. On ne voit même pas la beauté de la femme. Les lunettes, les frères, j'ose aux yeux. C'est quoi ça? Il n'y a pas les lentilles pour les yeux. Tous les gens, les frères José, les foulards partout. Habillez-vous, nous sommes en 2018. Ils habitent très moins chez Zara. Moi, je m'habille à Zara, moi. Faites un peu mieux avant de venir parler à Mme la Tonganaise. Essayez un peu de ressembler à Mme la Tonganaise, venir parler. Il n'y a pas les femmes qui ont les mandibules chez nous. Les mandibules, c'est que les femmes qui ont les mandibules, allez vous faire opérer. Vous regardez. Regarde à quoi tu ressembles, toi. Quand il veut parler, tu veux faire la liberté, Mme la Tonganaise. Tu t'es regardé. Tu es même ma petite nièce qui est au fin fond de Baranté. Tu n'as pas sa carrure. Tu n'as même pas son élégance. Elle va au champ tous les matins. Elle rentre avec la roue. Elle le domaine le plus belle que toi. Je dis que la caméra perdue demande que qui est la reine des prostituées. Non, laisse mon nom. Madame. Tu vas t'asseoir, tu dis que tu es mais tu idolâtres une pute. Tu m'appelles prostituée, mais tu idolâtres une pute devant toi. Elle est passée là comme ça, là, comme un guignol, comme ça. J'ai eu honte. J'ai eu mal. J'ai eu. Mon cœur a saigné parce que j'ai mal, parce que tu as un lien avec nous. Tu as un lien avec nous. De voir le père de mes neveux s'humilier comme ça, ça m'a fait mal au cœur. J'ai failli pleurer. Et les gens ne savent pas qu'elle. Deux fois quand tu. Qu'est-ce qu'il fout là? Un proverbe qui énerve. Tu fous quoi là? Tu t'es regardé? Tu parles de quelqu'un parce un monsieur comme toi, il s'engage. Tu fous quoi là? Au milieu des putes.
pas pour essayer n'importe quoi, mais tu ne verras jamais faire des conneries comme ça. Jamais. Mais arrête. Tu ne vas pas comme un clochard, comme un poussin au marché de votre popi. Tu te l'as comme ça. Je suis rêvé assis. J'ai eu très mal. J'ai failli pleurer. J'ai dit, des réunifications pour la haine pour moi dans la Donga. Ça va te servir à quoi? Va tuer tes enfants, vous n'aurez plus jamais ce lien. Hein? Vous partez vous réunir. Tous les directs. Oh ma, il y avait aussi l'autre qu'on appelle à moi. Tu connais à moi de la famille, ma famille. Tu as bien à moi là-bas. À moi a déjà mal aux yeux. La vraie à moi ou bien? Tu as bien à moi. Tu ne connais pas à moi de ma famille. Il a à moi de Camerounais. Tu ne connais pas. À moi de ma famille a déjà vraiment mal aux yeux. Mais là, moi, c'est-à-dire qu'il y a un mois de Camerounais, pas un mois de Zibou, un mois de Camerounais. Tu n'as pas vu un mois. J'ai seulement vu Gohou. Tu as vu seulement Gohou. Eh, vraiment, les dieux. Ouais. Ouais. Les gens sont les gesticulés, les gens qu'on ne calcule même pas. On vous gesticulait quoi? Comme les petites filles qui viennent se faire dédiéger. Nous, nous sommes dans la retraite. C'est même vous venez comment tu la puberté. On a fait la retraite de. On a fait la puberté, c'est de 1900, ouais. Tu vois le père de mes neveux, il est assis là comme ça. Comme la comme un guignol. Il est là aussi, sa souris qui a connu l'essai, il avait les lunettes des frères José. On s'est passé bien la ligue. C'était un père qui l'a la Bible. Avec les foulards qu'on s'est attaché son cou. Tu peux quoi le foulard dans la maison? Enlève les foulards, mets-toi à l'aise. Ouais. Non, quand il a dit qu'il y a des gens que Dieu a créés, il était fatigué.